Il est 22h pile ici à Kinshasa, une heure de plus à Goma. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez en déplacement à Goma en compagnie de son épouse, le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'y est rendu pour constater des dégâts et compatir également avec les sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai dernier. On fait le point avec Giscard Koussema. C'est au pied du volcan Nyiragongo, d'où est partie la lave qui a décimé une partie du groupement Kibati, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son épouse, la distinguée première dame, ont débuté leur visite sur place. Le couple présidentiel a constaté l'ampleur des dégâts et obtenu des explications des spécialistes de l'Observatoire volcanologique de Goma. Deuxième étape de leur tournée, la bourgade de Kibati. Ici, tout a été aménagé pour apporter une réponse présidentielle adéquate à la crise humanitaire née de la catastrophe naturelle du 22 mai dernier. Don du président de la République avec l'assistance de la Fondation Philips et l'ONG Flamme, cet hôpital mobile est prêt pour assurer 6 mois de prise en charge gratuite des patients. L'objectif est d'éviter les maladies qui peuvent survenir avec la promiscuité de déplacer du site d'Ikibati. L'hôpital présidentiel mobile est aménagé pour servir de réponse rapide à 4 200 ménages déplacés, soit environ 20 000 personnes, dont une bonne partie sont installées dans la cour de l'école primaire de Kayembe. Au milieu de ces déplacés, le président de la République et la distinguée première dame ont redonné de l'espoir à ces familles sans abri. Watoto wabakumu amjambo. Toye kope sabino mbote, toye na mama. Toye kope sabino mbote, pona likambo, ya likama o ekwe la kibino. Likambo etali volcan. Toye koe bisabino, keboyo kapasite, bozali bino mokote. Papa Mokonza Ekolo, na mama première dame, Bazali, Pembeni Nabino, Obata Landengenini, Tokoki, Kosili Sabapa Zinabino. Nawuti Kosolola, Nabande Konabiso, ya corps, ya génie militaire, Oyo, Bakotonge Labino, Bandako, ya Sika, Nasima Awawa. Donc, Bozala na motema pasite, Dozali Kolanda, situation nabino, na boke binyoso, Dozali Kolanda ngo benza, malamu, po totala ndenge nini, bokozonga na situation nabino normal, ba na bako kakozonga na ba klas, ba mama bako kako continue misala na bango na ba papa. Bangumu yambo! Yambo tena. Aksanti kisi mulitungoya, munatupokea mzuri, mina furahi sana. Kisi mkubwa incha nasema, atuku wasabu, tuku hapa, tukia kubangalia, tulipasha pia tepisa mani ime, lakini mwepeke muna ya situasyon kisi ilikuwa. Tulipima kufanya kene, tutaweza kufanya kwa mbali, lakini tunakia kubapolesha, kubangalia na jinsi mkubwa encha nasema, iko barabaengea manyumba ingine kwenye mtaenda kuikala, apre apa. Émue, cette mère de famille a perdu son latin pour remercier le pragmatisme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ninashukuru sana kwa mkuu wetu kiongozi, ambaye ametukumbuka shia wa sinistre, japokuwa tulifikia shida ya volcano. Nina msifu sana, siyo kama ni mshukuru na mna gani. Nina furaha mingi sana, moyoni mwangu. Mkubwa wa inchi, amefaa vizuri sana kutukumbuka. Mzazi ni wakukumbuka watoto. Nina mshukuru sana kwa makuu na maajabu ambayo inatutendea. Yote ambayo inatutendea inatufikia kwa amani na salama. Dès ce mardi matin, les experts de génie militaire vont débuter la construction des maisons d'habitation pour reloger les déplacés de Kibati et ceux d'autres sites. Et dans les restes
Et dans l'actualité également, les infirmiers et personnels administratifs des hôpitaux publics sont en grève depuis 5 jours. Une situation qui perturbe la bonne prise en charge des malades en ces moments. Si on fait le point avec Anim Balaka et Béatrice Chaco. C'est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux montrant un jeune homme désespéré transportant à moto le corps sans vie de son grand-père, ne sachant où les placer. Pour raison, plusieurs morgues ont fermé leurs portes. Ce lundi 14 juin 2021, nous sommes déjà au 5e jour depuis que les infirmiers et les personnels administratifs des hôpitaux publics sont en grève. À Kalembe-Lembe, le plus grand et le seul hôpital pédiatrique de la capitale Kinshasa, ici, les petits-enfants, voire les nourrissons, sont en détresse, abandonnés à leur triste sort, une situation qui laisse à désirer. Si on a osuka wapi. Nous ne savons plus quoi dire, que faire. Nos enfants sont très malades. Aucun infirmier ni une infirmière n'est au chevet de leur lit. Nous sommes désespérés. 5 jours déjà. 3 jours. La plaie de mon fils risque d'être infectée. Il n'y a personne ici pour faire le pansement. Je suis seule avec l'enfant. Cette infirmière que nous avons trouvée sur place plaide pour une rationalité de leur barème salarial. Nous sommes marginalisés, donc nous sommes moins payés. Nous sommes sous-payés d'ailleurs. Les infirmiers, les administratifs, les biologistes, et tout le monde, nous sommes en grève. Et puis, qu'on revoie aussi les écarts, puisque entre nous et les autres, nous avons beaucoup d'écarts. Alors qu'une solution tarde à être trouvée, plusieurs malades en paient le prix. Certains ont même perdu la vie. Et en santé encore, le ministre honoré Dr Etienne Dungundu a reçu ce lundi 14 juin 2021 à l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayimo sa deuxième dose des vaccins anti-Covid-19 d'AstraZeneca. D'autres détails dans ce reportage. Après la première dose à l'AstraZeneca lui administrée en avril dernier aux cliniques universitaires de Kinshasa lors du lancement de la vaccination contre le coronavirus en RDC, l'ancien ministre de la Santé était ce lundi à l'hôpital général de référence ex-Mamayemo où il a reçu sa deuxième dose de vaccin. L'occasion faisant les larrons, Etienne Dungundu a invité les Congolais à se faire vacciner massivement contre cette pandémie. Je viens aujourd'hui de recevoir la deuxième dose et vous voyez que je suis très bien portant, c'est pour dire aux Congolais que voilà, allez vous faire vacciner parce que ce vaccin apporte beaucoup plus de bien que de mal. Et c'est pour aussi soutenir les efforts du chef de l'État qui, dont le souci est de voir la santé du peuple congolais s'améliorer et aussi soutenir mon frère, le nouveau ministre de la Santé, le docteur Mongani, qui est en train de sensibiliser le peuple congolais dans le sens de recevoir leur vaccin pour que nous puissions bouter dehors cette pandémie au Congo. Ayant respecté son calendrier vaccinal sans aucun danger, contrairement à l'opinion répandue contre AstraZeneca, le ministre honoraire qui n'en a ressenti un seul effet néfaste rappelle que les propos du chef de l'État n'avaient rien de contre ce vaccin anglais. Par souci, n'est-ce pas, de faire vacciner le peuple congolais, le chef de l'État a dit voilà, on va donner d'autres choix au peuple congolais pour qu'ils puissent choisir le vaccin pour lequel ils se sentiront confortables. C'est ça l'effort du chef de l'État. Il n'a pas dit que le vaccin AstraZeneca n'est pas un bon vaccin. En dehors de l'hôpital général ex-Mamayemo, un groupe de combattants de l'UDPS au parti présidentiel scandé des chants et danse à l'honneur du désormais ministre honoraire qui a si bien géré la pandémie à coronavirus dès son avènement en RTC en mars 2020. La journée mondiale du don de sang est célébrée chaque année le 14 juin pour 2021. Le slogan est « Donner du sang pour faire battre les cœurs du monde ». Explication, Edith Chala. Le contexte sanitaire de la République démocratique du Congo est encore dominé par la pandémie de coronavirus. Cette pandémie à l'échelle mondiale interpelle tous les spécialistes en santé publique sur les approches à adopter en ce qui concerne la sensibilisation des communautés pour les changements de comportement. Pour ce faire, il est temps que l'on prenne conscience de la nécessité d'accroître la proportion des donneurs bénévoles qui depuis une décennie se situe entre 34 et 35%.
Chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du don de sang. Et pour cette année, le thème retenu est « Donner votre sang pour faire battre le cœur du monde ». En cette occasion, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumbankoulou, a remercié et encouragé ces héros qui contribuent à sauver des vies. J'adresse mes remerciements à tous les donneurs bénévoles de sang réunis au sein de la Fédération des donneurs bénévoles de sang et les encourage à ne pas se lasser afin de garantir à la population congolaise un sang de qualité. Que cette journée nous interpelle tous sur l'importance du don bénévole de sang, car la vie de plusieurs compatriotes en dépend. C'est pour cette raison que le monde entier est appelé à se mobiliser pour permettre aux banques de sang de s'approvisionner régulièrement en produits sanguins, que la disponibilité et l'accessibilité au sang de qualité soient des garanties, et ce, dans la perspective de la couverture santé universelle. Et puis le Sénat s'est réuni en séance plénière, c'est lundi 14 juin 2021. C'était sous la présidence de l'honorable Modeste Batiloukpebo. Il a été question de l'examen de plusieurs lois. Reportage, Edith Chala. Une plénière marathon comme il n'y en a pas beaucoup au cours d'une session. Sous la conduite du président du Sénat, l'honorable Batiloukpebo, plusieurs projets de loi ont été examinés. Sept projets de loi portant ratification des accords de financement avec différentes institutions financières internationales, entre autres la BAD, l'OPEP, la BADEA, l'OFID, pour ne citer que celle-là, pour un montant total de plus de 400 millions de dollars américains. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a fait l'économie des textes et un débat s'en est suivi pour des éclaircissements à la plénière, là où on en avait besoin. La réplique du ministre a semblé rencontrer les préoccupations des sénateurs. Ensuite, le projet de loi portant habilitation du gouvernement pour légiférer notamment sur la prorogation de l'état de siège, l'état d'urgence et sur le numérique a été présenté par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Si sur la prorogation de l'état de siège, il y a eu presque unanimité, quelques interrogations sur l'urgence de légiférer par ordonnance-loi dans le numérique se sont posées. Appelé pour éclairer la plénière, le ministre du numérique, Désiré Bérand Kolongele, s'est montré très rassurant, évoquant en illustration l'accroissement des recettes par la numérisation des paiements et la mobilisation de recettes. La commission PAJ, qui s'était penchée sur le projet de loi sous examen, a présenté son rapport qui a été adopté par la plénière, nécessitant parfois les interventions du président du Sénat, Modeste Bahati, pour concilier les vues. Les 8 projets de loi ont été adoptés par la plénière. 94 sénateurs ont voté pour et personne n'a voté contre. Le projet de loi portant habilitation du gouvernement était en première lecture au Sénat et les 7 autres projets de loi l'étaient en seconde lecture. Pour le projet de loi d'habilitation du gouvernement, sur 109 membres qui composent le Sénat, 94 membres ont pris part au vote. 90 membres ont voté oui. Un membre a voté non. 3 membres ont voté par abstention. En conséquence, le Sénat adopte la loi d'habilitation du gouvernement et elle sera immédiatement transmise à l'Assemblée nationale en seconde lecture. Pour la commission spéciale statuant sur les réquisitoires des procureurs près la Cour de cassation et près la Cour constitutionnelle, le rapport est attendu et pourrait être examiné au cours de la plénière d'avant la clôture, a dit le président Modeste Bahati. Le Sénat a aussi examiné le rapport de la commission ECOFIN sur les règlements financiers avant de décréter un huis clos pour la matière qui le nécessitait. Nous allons nous attarder cette fois-ci sur cette parade des sapeurs-pompiers, qui dis-je, des agents de la protection civile sur la sensibilisation de la population au respect des gestes et barrières pour lutter contre la troisième vague de Covid-19 en République démocratique du Congo. Renette Kulonga. L'oserie morale du superviseur national de la protection civile, Oscar Okito Djeko, avec ses cadres et agents sur la mobilisation concernant la troisième vague de Covid-19. La mission régalienne de la protection civile, police d'incendie,
et de protéger la population pour que le mal n'arrive pas. C'est à plus forte raison que cette structure a mis en place des équipes de sapeurs-pompiers à travers les différentes communes de Kinshasa pour sensibiliser la population en respectant les mesures barrières contre ces fléaux qui touchent l'humanité entière. Porter le masque, laver le main avec le gel hydroalcoolique a exhorté Oscar Okitonjeko, des mesures édictées par les autorités sanitaires. Je dis d'abord merci à notre chef de l'État, Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes de la protection civile, nous sommes dans l'obligation de respecter les normes, les mesures barrières que les autorités de la place ont décidé. Donc nous ne pouvons pas aller à la ronde. Et c'est pourquoi nous avons appelé tout le monde aujourd'hui pour leur dire que voilà, nous sommes en face de nous, il y a l'ennemi. L'ennemi pour nous de la protection civile, c'est qui? C'est la maladie à coronavirus. Nous allons commencer à descendre, etc. Ces instructions viennent du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, maître Daniel Asselouankoy. Le superviseur national Oscar Okitonjeko les a rappelés sur la ligne de conduite et a donné quelques orientations pour la bonne marche de la protection civile sur toute l'étendue du territoire national. À Genève, en Suisse, il se tient depuis le 7 juin dernier la 109e conférence internationale du travail sur la réponse de l'OIT au Covid-19 et la protection sociale. La République démocratique du Congo est également représentée à ses assises par les biais de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qui a pris une part active aux discussions. C'est là en vidéoconférence. William Tounakov. Au cours de cette séance plénière de la 109e conférence internationale du travail, en direct par vidéoconférence qui s'est tenue à Genève, en Suisse, consacrée à l'examen du rapport du bureau de cette conférence sur les thèmes de la réponse de l'OIT à la pandémie du Covid-19, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a, au nom du gouvernement de la RDC et de la délégation de la tripartite congolaise, donné la position de la RDC à ces sujets. Claudine Ndoussinkembe. Dans mon pays, les instructions utiles été prises et transmises aux différents acteurs en termes de notes circulaires et de communiqués officiels relatifs aux dispositions pratiques concernant le travail pendant la période de la Covid-19. Pour anticiper sur les effets négatifs de cette pandémie, une série de crises a été mise en place et continue à collaborer avec le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la pandémie de Covid-19 pour, d'une part, organiser les activités de la prévention et de sensibilisation sur les barrières contre le Covid-19 en milieu de travail et d'autre part, faciliter l'accès au dépistage et au traitement gratuit. En République démocratique du Congo, malgré le contexte de la pandémie de Covid-19, la 36e session ordinaire du Conseil national du travail a tenu ses assises et les résolutions importantes ont été adoptées afin de contribuer à l'amélioration des conditions de travail. Les numéros 1 de l'ETPS à cette occasion, solliciter l'accompagnement des partenaires bi- et multilatéraux dans la mise en œuvre efficace de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que de la mise en place du socle de protection sociale retenu comme priorité du gouvernement Samalou Kondé sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans le reste de l'actualité, il s'est tenu à Kinshasa une matinée de restitution, de validation des résultats des études menées sur les applications des réformes du ministère du Plan. Images et commentaires, José Baïtouambo. Proposer des réformes est une chose et veiller sur leur application en est une autre. Sûrement, la plus importante des options à prendre pour assainir au mieux le climat des affaires. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, qui a initié une enquête d'impact et de satisfaction sur ces réformes, a ce lundi fait une restitution de résultats obtenus à l'intention de responsables de services réformateurs et experts du secteur public et privé. Les constats généraux gravitent autour d'un déficit communicationnel et d'un taux faible d'application de réformes formulées. Les problèmes d'application des réformes sur le terrain se situent à deux niveaux. Il y a un, je dis, il y a un problème de résistance. La résistance, il faut la situer au niveau de l'appropriation. Il y a un problème vrai problème d'appropriation institutionnelle au niveau des services réformateurs. Deuxièmement, il y a un problème de communication. La plupart des réformes sur terrain, les réformes qui sont initiées par le gouvernement central, ne sont pas connues du public. Donc nous allons renforcer notre stratégie de communication
pour essayer d'améliorer le niveau d'application des réformes sur le terrain. La directrice générale adjointe de l'ANAPI, qui a présidé cette matinée, a rappelé à ses services réformateurs la nécessité de réviser certaines actions. C'est un retour que le terrain vient de nous donner. Nous l'avons dit au départ, ne rejetons pas. C'est une base de travail que nous avons, sur laquelle nous allons certainement nous rencontrer, discuter davantage pour voir dans quelle mesure affiner. Il nous faut non seulement mettre en place les réformes, mais faire un suivi et voir qu'est-ce qu'il y a à amender, qu'est-ce qu'il y a à corriger. Et nous allons travailler avec la structure ANAPI qui est là pour pouvoir coordonner les interactions publiques-privées pour l'amélioration du climat des affaires. Nous allons continuer dans ce travail-là. Organe technique du gouvernement en matière du climat des affaires, l'ANAPI reste focus sur ses missions, notamment celle d'assainir le climat des affaires dans le pays. Nous allons parler justice à présent avec le tribunal des commerces qui est une juridiction de première instance spécialisée dans le jugement des litiges commerciaux, mais il semble être peu connu du grand public et pourtant il joue un rôle important dans le fonctionnement du système juridique et ou plutôt juridictionnaire en République démocratique du Congo. C'est le dossier de cette édition préparée par Jacques Mégy. De nations du monde, il existe des juridictions judiciaires spécialisées dites tribunaux de commerce. En République démocratique du Congo, ces juridictions spécialisées ont pour base légale la loi du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Est-ce la population en est-elle suffisamment informée en termes de leur rôle, de matière traitée et du champ d'application? La tribunal de commerce, mais je ne sais pas la tribunal de commerce, mais quel est son travail? Je ne sais pas ce que vous faites. Bon, tribunal de commerce, nous tous avons été bien en côté, tout qui dit que rôle dans côté, à tes tribunal de commerce. Le tribunal de commerce, ça dit ça sert pour gérer le conflit. Ça sous-entend un tribunal. Auprès duquel les commerçants, les gros capitaux, cherchent un peu à trouver solution à leur contentieux commercial. Que dire des opérateurs économiques? Sont-ils au courant de l'existence de ces tribunaux? Quand on dit tribunal de commerce, on voit déjà les commerçants. S'ils ont leurs problèmes, je crois que c'est ce tribunal qui doit traiter ça. Cette juridiction-là traite des contentieux des commerçants. Alors, ce qu'on a créé, nous étions curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais on a trouvé que si nous avons des problèmes entre les commerçants, nous pouvons y aller. Et si nous avons des problèmes avec un particulier ou avec la banque, on voit que ça barde. Finalement, c'est le tribunal de commerce qui nous aide à nous départager. Pour en savoir plus, le président du tribunal de commerce de Kinshasa Matete, Hubert Mboukou, a accepté de nous éclairer. Les activités dévolues à ces tribunaux de commerce étaient jadis confiés aux tribunaux de grande instance. Pour garantir la célérité dans le traitement des affaires au quotidien, et il y a eu création des tribunaux de commerce. Mais en ce qui concerne le tribunal de commerce de Kinshasa Matete, son existence effective date du mois de novembre 2007. Ici à Kinshasa, nous avons deux tribunaux de commerce. Il y a le tribunal de commerce de Kinshasa, Gombe, et il y a le tribunal de commerce de Kinshasa, Matete. Les matières que nous traitons, nous, tribunaux de commerce, ces matières tournent essentiellement autour de l'article 17. 17 de la loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Et là, il y a les contestations, entre les contestations liées aux engagements entre les commerçants, les contestations aussi entre associés, nous traitons aussi de la faillite, nous traitons également des matières pénales et économiques, il y a notamment les infractions de faux en écriture et usage des faux, il y a aussi la concurrence déloyale et tant d'autres. Et non seulement cela, il ne faut pas avoir seulement l'aspect infractionnel quant à ce qui concerne les matières pénales et économiques. Nous aussi, nous avons ce rôle-là d'être une sécurité juridique et judiciaire pour les opérateurs économiques. Nous garantissons le climat des affaires.
Lorsque les opérateurs économiques, tant nationaux qu'étrangers, investissent dans notre pays, il y a de l'emploi et avec comme effet d'entraînement, les familles vivent. Et c'est ça même le social. Le social que prennent les chefs de l'État, Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord, c'est ça. Au nombre de juges qui siègent dans les tribunaux de commerce, il existe des juges consulaires. Mais quel est leur rôle et comment les devient-on? En ce fonctionnement, vous avez des juges de carrière, qui sont des magistrats de carrière. Et vous avez aussi de l'autre côté des juges consulaires qui ne sont pas des professionnels de la magistrature, mais qui sont d'abord des commerçants ou des professionnels de certaines professions réglementées. Qui sont élus par leurs pairs, ça veut dire qu'ils proviennent des corporations patronales et au Congo il y en a quatre qui sont le plus représentatives du patronat, c'est la FEC, c'est la COPEMECO, c'est la NEP et la FENAPEC. Alors les juges consulaires qui siègent aujourd'hui dans les tribunaux de commerce ont été élus parce qu'il y a une élection qui est organisée avec toutes les parties prenantes, notamment la cour d'appel, et le ministre va entériner ces élections par un arrêté. Ainsi, les juges consulaires vont rentrer en fonction après avoir prêté serment. Et ils sont là dans les tribunaux de commerce pour éclairer la religion des magistrats de carrière, surtout sur certaines questions qui sont des questions spécifiques, des questions qui nécessitent que les commerçants ou les professionnels de certains domaines spécifiques puissent apporter leur expertise. Au sujet de l'existence de tribunaux de commerce, les avocats donnent leur impression. Les juges civils étaient tout à fait très comblés d'analyser les dossiers tant civils, les dossiers tant commerciaux et autres. Je donne raison à nos législateurs qui ont passé ça. Les tribunaux de commerce sont faits pour des besoins des sociétés dites commerciales, des personnes dites commerçants. Ce sont vos clients? Oui, nous ne faisons que les accompagner, étant donné que nous sommes des techniciens de la procédure. Donc c'est une innovation pour permettre à ce que des questions économiques et commerciales puissent être gérées par des personnes habilitées à le faire, qui sont spécialistes en cette matière. Les tribunaux des commerces sont des juridictions spécialisées de l'ordre de juridiction judiciaire, chapeautées par la Cour de cassation. Voilà donc pour ces dossiers. Tout à fait autre chose, le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, Eustache Mouhanzi, s'est entretenu avec une délégation de la Banque africaine de développement. Plus de précisions dans ces reportages commentés par Mireille Ndeke. Comment exploiter les différentes richesses dans chaque province de la RDC dans le souci de promouvoir le PME? Pour ce faire, une étude financée par la BAD sur les incubateurs vient d'être menée par le cabinet ivoirien Action Entreprise. Arrivée fin mission, la dite délégation, sous la conduite du directeur général de l'OPEC, Ezekiel Bidoya, est venue auprès du ministre de tutelle, le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, maître Eustache Mouhanzi Moumbembe, pour une restitution, et ce, avant l'atelier de validation de cette étude de faisabilité soutenue par des plans d'affaires. De me donner l'occasion de vous parler brièvement de cette étude. Il faut dire qu'il s'agissait de deux études, des études diagnostiques, afin de mettre à jour toutes les opportunités de transformation agro-industrielle dans 15 provinces. Et ensuite, la deuxième étude consistait à mener des études de faisabilité, de rédaction de plans d'affaires et de manuels de procédure afin de pouvoir implanter des incubateurs de PME dans le domaine agro-industriel. 8 provinces sur 15 ont été sélectionnées comme incubateurs pilotes. Parmi ces critères-là, il y a entre autres potentialités, mais il y en a qui sont prioritaires et il y en a qui renferment plus de potentialités que les autres provinces. Ensuite, nous avons aussi regardé les chances de réussite de ces PME et de ces incubateurs-là. Le ministre d'État, maître Eustache Mouhanzi Moumbembe, dont la Côte d'Ivoire n'est pas étrangère, a réitéré sa confiance à cette équipe. Il a rassuré son implication pour la matérialisation de ce projet qui aura un impact favorable, en restant convaincu que le PME contribue activement à définir une croissance économique durable et inclusive en République démocratique du Congo.
Fort envers et contre tout a été choisi cette année afin de célébrer la journée internationale des sensibilisations à l'albinisme qui s'est déroulée le 13 juin dernier. À cette occasion, à Kinshasa, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables avait eu également envoyé les activités marquantes cette journée. Reportage, Betty Amani. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, instaurée par les Nations Unies, a pour but de sensibiliser les grands publics, la communauté internationale et les États sur les problèmes spécifiques des personnes atteintes de l'albinisme dans leur vie quotidienne. Ces vulnérables souffrant d'une maladie génétique sont victimes d'exclusion sociale et de marginalisation, et qui donnent lieu à toutes sortes de stigmatisations et discriminations. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérable, Irène Sambodiata, a peint un tableau sombre de la situation des personnes atteintes de l'albinisme en RDC. Parmi les solutions à cette violation des droits humains constatée, la ministre a inscrit la question dans le programme triennal de son ministère. La mise en pratique de cette vision du président de la République appelle à des actions fortes devant conduire à la transformation sociale de notre pays. Pour ce faire, la sensibilisation aux droits des personnes vulnérables et la mise en place des politiques et programmes publics inclusifs constituent les grandes priorités du gouvernement. Les intervenants, les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme et les panels de l'Union africaine ont réaffirmé leur engagement à porter haut la question pour faire entendre la voix de ces vulnérables à travers une stratégie forte et efficace. Un colloque panafricain sur la problématique de l'albinisme en Afrique sera organisé en septembre 2021 par le panel de l'Union africaine. L'édition 2021 a pour thème fort envers et contre tout. Ceci pour exprimer la résilience et la persévérance qui caractérisent les personnes atteintes de l'albinisme. Constat de tous les intervenants, il est impératif notamment de démystifier cette maladie due à la carence en mélanine et de mettre un terme à la discrimination. Les départements de sciences, la population du développement de l'université de Kinshasa a organisé ce week-end une journée porte ouverte. L'objectif était de présenter et expliquer également au grand public les opportunités qu'offre cette filière de formation. C'est un récit de Grace Maosso. La migration, la mutualité et la fécondité, la conception, la santé, l'urbanisation sont parmi les disciplines que regorge le département des sciences de la population et du développement, option démographie de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Le doyen de cette faculté, le professeur Émile Ngoï Kassongo, a loué cette initiative et souhaite que cela puisse s'est pérennisé d'année en année. Le professeur Jacques Emina, chef de département, a démontré la vision et la mission de cette option, qui sont, entre autres, de former les ressources humaines, surtout procéder aux analyses des différentes pandémies telles que la COVID-19. Le représentant adjoint de l'UNFPA, M. Victor, a exhorté les étudiants à l'apprentissage de la langue anglaise qui permet actuellement de trouver de l'emploi facilement. Le professeur Loutoutala et d'autres éminents professeurs ont invité l'assistance à embrasser le département de la population et du développement au motif que c'est une discipline qui met l'homme ou la population au centre de tout. Je vous amène cette fois-ci au Congo central où a eu lieu un atelier de formation sur la prévention et la gestion des conflits et des situations difficiles en milieu du travail. C'est là l'initiative de l'École nationale du notariat. Bobo Koukou nous dit un peu plus. Les clubs des agents de la Caisse nationale de la sécurité sociale, CNCS, direction provinciale du Congo central, viennent d'être formés en gestion des conflits au milieu du travail. Une séance organisée à l'hôtel Lydia à Matadi. La formation a été assurée par le professeur Charles Ooto Asombo, directeur général de l'École nationale des notariats. Cette formation a permis aux participants d'être capables de définir les conflits, d'en reconnaître les sources en milieu du travail, d'en distinguer les différents types et finalement de savoir prévenir et gérer les conflits au milieu du travail. Le directeur provincial de la CNCS a eu le mot juste pour remercier l'École nationale des notariats et son directeur général Charles Ooto Asombo. Il est connu que quand les hommes se rencontrent, les conflits ne manquent pas
dans sur les lieux de travail, il doit en avoir certainement. Et il faut savoir les régler, les gérer et y trouver des solutions. Si les conflits sont mal gérés, mal assumés, le rendement du personnel est négatif. Et donc la production subit un coup à la régression et vous ne pouvez pas avoir de bons résultats. Si un travailleur est frustré, il fait d'un conflit soit à la maison, soit au travail, soit même dans la société, dans la rue et partout ailleurs. De leur côté, les participants ont grandement apprécié les connaissances acquises en matière de gestion des conflits et remercié leur hiérarchie pour avoir fait appel à l'École nationale des notariats. Ainsi s'achève cette édition du journal des 22h sur notre antenne au nom d'Ignace Chibangu, de Discover Mpongo ainsi que d'Alain Ntsoudi. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis, très particulièrement dans la commune d'Injili. Restez avec nous, l'information continue et surtout prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Au revoir et à la prochaine.